Wesh les frérots, c'est Tonton Démonexion. On se retrouve aujourd'hui les frérots pour une vidéo très attendue sur la chaîne. Et oui les frérots, vous avez kiffé l'épisode 1. L'épisode 1, les refs, 24 heures dans la forêt, a été fait il y a un an. Vous avez été nombreux à me dire, frérot, fais une partie 2, fais un épisode 2, fais tout ce que tu veux mais refais dans la forêt. Aujourd'hui les mecs, oui, aujourd'hui Rémi c'est le grand jour. Les frérots, dans l'épisode 1, je sais pas si tu te souviens Rémi, on a vu dû stopper l'aventure parce que le soir on a vu un truc bizarre. Mais je te jure, il y avait une lumière. C'était genre une lumière, frère, qui avançait mais genre super vite. Genre on aurait dit un gars en vélo, tu vois. Un gars en vélo avec un truc comme nous, comme ça. Genre en mode ça allait super vite comme ça. Mais arrête, mais c'est flippant ton truc. Viens on style, frère. Je me chie dessus. Avec le recul, je me dis, c'était juste quelqu'un qui devait passer ou je sais pas quoi. On aurait pas dû chier dessus. À minuit, ouais. Bref. Donc là, les gars, on est obligé de refaire un épisode 2. Cette fois-ci, on va vraiment dormir. Nadim, y a quoi sur ton portable, s'il te plaît? On n'a pas encore commencé la vidéo, frérot. Attends, par contre, moi, je dors pas avec vous. Si, Nadim, c'est à 24 heures. La première fois, t'étais petit, t'avais 7 ans. Aujourd'hui, t'es grand, t'as 8 ans. T'es grand aujourd'hui, t'es grand. Il y a Zizou qui va nous rejoindre au cours de la partie. Mais les gars, il va y avoir un petit changement. Ça, j'aime bien. La dernière fois, on avait eu l'autorisation de prendre des objets dans la maison directement. Là, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir autre chose pour faire ce 24 heures. Sur la chaîne, les frérots, on avait fait une ouverture de colis perdus. Vous vous souvenez, c'était des colis qui étaient perdus, que l'entreprise récupère. Et nous, on achète tout ça en lot. Dans les 3 colis là, il y a des colis perdus. Nous, ce qu'on va faire, on va les utiliser. Tu fais quoi gros? Pendant ces 24 heures dans la forêt, on va devoir survivre seulement grâce à ça. Ok, rien d'autre. Toutes les 30 minutes, on va avoir une alarme qui va sonner et on va pouvoir aller ouvrir chacun un colis. Et avec cet objet là, bah tu l'utilises pour ta survie, c'est bon? Mais si t'as un casque gamer... Tu la branches à l'arbre. Les frérots, au passage, n'hésitez pas à me casser les petits pouces bleus, vous abonner si c'est pas encore fait les frérots, et c'est parti du coup pour en fait, ce les gars, nouveau non, en fait, 24 heures. La barre des pouces bleus, en fait, c'est une allégorie. Franchement, tu me saoules. Et les frérots, n'hésitez pas du coup à vous abonner si c'est pas encore fait. Bon les mecs, je suis tout seul dans la forêt. En fait, j'ai pas peur, hein. Il a peur. J'ai pas peur les gars. En fait c'est juste que... T'as peur. En fait je vous explique. En fait j'ai pas peur. T'as dit t'as peur. J'ai pas peur. J'ai pas peur. En fait j'ai pas peur. T'as dit t'as peur. Juste dans la tête j'ai peur. Mais j'ai pas peur. En fait c'est dans le sang. Oh. En fait il m'a ramené, il m'a laissé le carton. Et je dois aller le déposer tout là-bas. Vu que j'ai pas peur je vais pas y aller. Donc voilà, là on est bien. Bien évidemment. J'ai caché ça dans mon slip. Pas pour moi, c'était pour Nadim. Moi j'ai pas peur. C'est Nadim qui a peur, ok les gars. Voilà, j'ai pas peur. Petit message important, faut toujours vaincre sa peur les gars, ok? Moi j'ai pas peur. On va s'écarter de la forêt. Je leur rappelle que j'ai pas peur. Pas peur les gars. Il est loin hein. Faut que j'appelle Zizou. On va s'asseoir sur le... Wesh, y'a une abeille là. J'ai pas fait un cri de meute. T'es pas un bonhomme toi, tu t'assois pas à notre table. Wesh. Oh y'a une abeille là. Ça fait du bien de se reconnecter avec la nature. C'est vraiment chier dessus. Alors les gars, j'ai un problème. En fait, le carton il était trop lourd et je pouvais pas, les gars. Je pouvais pas l'emmener parce que j'avais pas peur. Parce qu'en fait, il y avait trop de montée pour l'emmener. Tu t'es chié dessus quoi. Non. C'était vraiment une chiasse. Non, j'avais pas peur. J'avais pas peur. En fait, allez, pas... c'est parti. Mais vu que mon cerveau il a peur, j'ai pas peur. Dans la forêt, arrête de parler. Avec vous. Hein. Ok, bon, les mecs, ça y est, on est arrivé. On est arrivé dans la forêt. Il y a plus que la forêt et nous. Ok. Ce qui est bien ici, c'est que il y a quelques petits chemins par-ci, par-là. C'est cool. Mais là, je vous dis directement, ce sera pas le camp ici. Il flippait sur la forêt. Vas-y, bah okay. Casse-toi. Casse-toi avec lui. Moi, je me sens dans mon élément là. Je te sens apaisé. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Regarde Degen. Frère, je vous ai dit, habillez-vous juste correctement. Bon, lui, il a gardé les mêmes habits que ça fait 3 semaines. Frérot, t'aurais pu mettre juste au moins une deuxième chaussée. Je suis battu avec des rats. Et pourquoi t'as tous les chapeaux là? Aujourd'hui, on a un clan. Un clan soudé se veut hiérarchisé. Ça veut dire qu'il y aura un boss ici. Un boss qui va donner des ordres. C'est moi ça. Puis un deuxième boss qui va écouter les ordres. Puis un troisième boss qui va écouter les ordres du deuxième boss. Et à la fin. D'accord, en gros, il va y avoir un directeur, un sous-directeur, un manager et un employé qui prendra tout dans la face, c'est ça? Oh, ça me plaît. Comment on se départage? Pierre, feuille, ciseaux comme d'habitude. 1, 2, 3, pierre, feuille, ciseaux. Oh, wesh, bande de chiens. Wesh, ça y est. Genre, j'ai le pire là. Tu veux quoi, toi? 1, 2, 3, pierre, feuille, ciseaux. C'est Nadim le chef? C'est qui le sous-directeur? Vas-y. 1, 2, 3, pierre, feuille, ciseaux. Il a modifié, gros. Le boss, il a quoi? Il a ça. Tiens. Le deuxième, il a les dents de crocodile. Tiens. Moi je prends celui-là parce que c'est moi qui l'ai choisi. Le dernier, tu choisis. Soit t'es raciste. Ça a rien à voir, gros. C'est quelqu'un qui existe. T'es un ouf, c'est un révolutionnaire. C'est un gars bien, je crois. Ah, gars, c'est un gars bien. Enfin, je crois, je sais pas c'est qui. Non, vas-y, donne le Bob. T'as dit trop de dinguerie dessus. Ça y est, c'est parti. On va commencer l'aventure. Je suis avec les 3 aventuriers. Tout le monde est équipé. Dans le club. Normal. Et j'aime le
Et tu lèves un bras. Non, c'est bon. Il a pu s'arrêter. Chef, c'est quoi ta première règle? Vous prenez les cartons et vous me suivez. Je sais où on peut sans s'attaler. Ouais, vas-y, c'est parti. Ouais, vas-y, c'est le pire chef. Les abos, j'ai trouvé l'endroit parfaito. Oh, vous savez qu'il y a des serpents. T'as dit quoi? Panique à bord, de la vitesse. Panique à bord. Le chef, il nous a mis là, les gars. Bah écoute, c'est pas trop mal, ça s'est dégagé. Stop. Faut qu'on teste la verdure. Prenez chacun une feuille. Non, arrête. Il y a des sangliers qui peuvent faire caca ici. C'est... Un jour, j'étais en vélo là, je croisais deux. Deux sangliers. Un bébé et sa mère. T'as croisé deux sangliers ici? Toujours, frère. J'étais au milieu et j'essaie de remonter, j'arrive pas. Deux sangliers derrière. Arrête. Un truc aussi à prévenir. Parce que Zizou, quand je te vois, il te manque une chaussette. Il y a des vipères. Ok, je rigole pas. Donc faites attention aux vipères. Et deuxième petite anecdote. Nadie, ça va bien se passer, Nadie. On rigole bien. Petite anecdote, il y a un bus dans les années 2000, il est tombé là-bas dans un ravin. Non, mais non, en vrai, c'est vrai ou pas ça? Je l'avais vu, moi. Ce sera notre tour de guet. Quoi? Hein? Non, on va aller voir. Le bus? Ouais. Mais ça se trouve, il y a des fantômes, ça se trouve, il y a des je sais pas quoi qui restent là-bas. Il y a eu des morts. Non, mais attends, deux secondes. En vrai, elle est vraie ton histoire, Rémi? Ouais, vraiment, mais je te jure, il y a un bus là-bas. Je jure la tête de maman. Je te jure la vie de ma mère. Wesh. Zizou, t'as ton téléphone? Ouais. Tu mets un chronomètre. On va faire la première ouverture parce que là, en fait, on a rien. On a que des colis perdus. Donc, on va compter là-dessus pour faire notre camp, pour dégager un peu tout ça parce que j'ai pas envie de dormir dans les vipères. Faut déjà regarder s'il a pas un nid de... Un nid de vipère? Non, de sanglier. Un nid de sanglier. Regardez s'il y a pas un nid de sanglier. C'est vrai, il y en a partout. Des nids de sanglier? Ouais. Regarde dans les arbres s'il y en a pas. Directeur, tu choisis une box, tu prends ton premier élément. Et après, on va se donner les tâches pour dégager le camp parce que là, c'est une catastrophe. Choisis bien parce qu'on va en avoir besoin. C'est parti. Là, ça, c'est que des colis aléatoires. Donc, choisis un bon truc. Oh! Wesh, t'as sorti quoi là? Vas-y, tu peux l'ouvrir. Un truc de cuisine. Un blender, je crois. Wesh, mais c'est un mixeur. C'est un mixeur, mais tu vas mixer quoi là? Bon, les mecs, première boîte, on a trouvé deux mixeurs. Ça, ça peut être pas mal. Ça peut nous servir à voir si on trouve des fruits. On va mixer les mouches. Mais attends, s'il a des fruits. Ouais, mais tu vas le brancher où? Non mais s'il y a un sanglier, tu le lances dessus sinon. Attends Rémi, par contre on range s'il te plaît frère, on va éviter de polluer la forêt. Choisis un truc. Mais vous savez que les habits ça peut être pas mal aussi hein. Moi là j'aimerais bien une paire de chaussettes là. T'imagines une paire de chaussettes? Ouais, c'est ce qu'il me faut là. Waouh, plein d'habits, GG gros. Ok, c'est des robes, ça marche. Rémi, si jamais t'as froid, t'as ça. Il y a beaucoup de bruit dans la forêt, vous trouvez pas là? En fait, tu sais qu'est-ce qu'il a? S'il a les oiseaux qui wit, il a pas. Je comprends ce qu'il raconte, vas-y. Chef, c'est une casquette s'il vous plaît. Zalando, c'est quoi? C'est des habits, il me faut des habits là. Chaussettes, on croise les doigts pour chaussettes. Aïe. Oh les chaussures. En vrai. Oh les chaussures. Ça, ouais. C'est utile aussi la team. C'est ma taille la team. Ah, vu le nez, c'est ma taille. Non. Yes, j'ai pour moi. Oh, j'ai une petite paire de choses. Hop là la team. Voilà. Mais tu sais que les gens ils vont croire que c'est fait exprès hein. Vraiment, c'est que du aléatoire ce qu'il y a à l'intérieur. Gros, ça me va trop bien par contre. Ça je sens bien. Ah oui les refs, pour le premier épisode j'avais oublié de vous dire, soit sur Instagram, soit dans les commentaires de cette vidéo là, vous mettez s'il y a des trucs qui vous intéressent dans le colis. J'ai vu que dans la première vidéo il y avait des trucs de voiture, les gens ils ont dit ouais tu peux me l'envoyer. Il y avait des trucs de maquillage pour les filles, j'ai envoyé aussi. Donc n'hésitez pas les gens, s'il y a des trucs qui vous intéressent, vous m'envoyez un petit message et puis voilà. J'ai trouvé une bombe pour nettoyer les casseroles. Avec le blender là-bas ça peut être utile hein. Ouais ça peut être pas mal. Tac et ensuite tu nettoies. C'est pas mal, ça va me servir ça. Zizou vient de mettre un chronomètre, dans 30 minutes on se retrouve et on se refait une autre ouverture. Là il va falloir qu'on se débrouille avec ce qu'on a trouvé. Il va falloir faire les équipes aussi. Ouais, il va falloir qu'on s'organise, En tant que chef, je dois veiller à votre sécurité la team. Si un sanglier vous charge, le plus sage est de trouver un point en hauteur ou de se coller à un arbre et de tourner en rond tout autour du trou. On dit qu'un sanglier. Et moi je suis sanglier. Un sanglier, la team, Il a rien compris. Il a rien compris. En vrai de vrai on rigole mais s'il y en a vraiment un. Regarde en plus je pense il fait la taille du sanglier. Prochain conseil, on peut jeter de la nourriture. On en a pas. On a pas de bouffe. Bah non. Troisième conseil, abandonnez le plus petit d'entre vous. C'est moi wesh. Mais Nadim, t'as entendu ou pas? Mais c'est moi le chef. Bah oui, tu dois nous protéger. Mais ça, si les oiseaux 8-8-8, ils font des bruits. 8-8-8. Mais tu saoules avec ça. Et bah en fait, il a pas de sanglier à proximité. Ouais, c'est ça. Hein. Quand il attends, y a pas de sanglier à proximité, quand ils arrêtent de faire le 8-8-8. Cinquième conseil, ne jamais écouter le chef. Vila. Bon, bah t'écoutes pas. Ok, la team. Monteur. Là, je pense, on va commencer à ébarbouiller un peu. Zizou, c'est mon pull au cas où. Déjà, c'est un t-shirt. On va commencer à nettoyer un peu le camp là. Non mais c'est pas toi le chef. Ok. Rémi tu vas nettoyer tout ça. Okay. Et lui. Chut. C'est quoi ce bruit? Ça c'est un dragon ça. Non attends. Chut. C'est un dragon la team. Chut. Ah oh, c'est un canard. Il y a pas de... C'est un canard là. C'est un canard ça? Oui. Il y a des canards dans la forêt? Mais non. Oh non. Mais c'est un sanglier. Mais c'est un sanglier en vrai le bruit là. Mais ouais ça fait quel bruit un sanglier frère? Mais c'est ça frère. Non mais attends non mais pour de vrai c'est ça Rémi. Mais oui je crois de vrai. C'est ça, c'est totalement ça. Attendez, ouais, c'est ça. C'est ça la team. Hein. C'est là-bas. Non, ça c'est loin ouais. Les gars, le chef ici dessus là. Si le chef a peur, moi j'ai peur. Je fais quoi là? Faut qu'on sache où il est.
Les frérots, sous les conseils du chef, qui est un peu inquiet, on a décidé de bouger un peu de spot. Il y avait vraiment des petits halloufs, on sait pas si c'était des gros ou des bébés, le bruit était un peu bizarre. Pas de risque, on change de spot les mecs, on va trouver un autre endroit, ça va être aussi bien. En vrai, moi je rentre chez nous. Moi je rentre chez nous. C'est ça notre chef? C'est notre chef. C'est hein. Ça un chef? C'est notre chef. C'est honteux. C'est quoi ton rétrograde? Ouais. Tu passes employé. Nadim rétrogradé à employé. Ok, il redescend en bas, il s'est fait virer. Rémi, tu montes, toi directeur. Zizou, tu passes sous directeur. Oh, passe manager. C'est bon. Alors l'employé, ça maintenant, fait quoi là? Hein, allez, va chercher vers le halouf. En tant que chef et sous-chef, on va bien. On va leur montrer qui on aime. Et la team, on va essayer d'aller filmer le sanglier. On va chercher le sanglier. Chef, on va essayer d'aller filmer le sanglier, nous. Entre nous, attends. Moi je me chie un peu dessus. C'est un sanglier, on court. Comment ça, tu te chies dessus? Moi et Nadim, on va s'occuper du camp. Et Zizou, Rémi, vous partez en exploration. L'objectif, c'est quoi là? C'est quoi comment votre objectif? Comment m'appeler moi? Versagitorix. On s'en fout. Ok. Donc là, on va s'installer là. Ici, il y a trois arbres. Ça peut être pas mal si on met des trucs en hauteur. Nadim, nous, on va s'occuper de dégager le camp. Là, tu vois, faut que ça soit propre, faut que ça soit clean. C'est bon? Ici, ça va être le coin avec tous les colis. Et vous, moi, partez en exploration. Okay. Objectif, la forêt avec les sangliers. Des groseilles. Ça peut être pas mal. Et pas de l'oseille. Ça peut être pas mal, hein? Pas de l'oseille. Pas de l'oseille, des groseilles. Ramène l'arbre. C'est pas très sympa. Vous ramenez à manger, on s'occupe du camp. C'est ce qu'on a fait la dernière fois, ça s'était bien passé. Comptez sur nous, ok? Super, super, j'aime. Je vous donne ma parole qu'on ramène à manger. Ok. Tout le monde est contre moi. Eux, ils croient que l'objectif c'est ramener à bouffer. Moi, l'objectif c'est de trouver le sanglier. T'as vu la bête phrase? On va essayer d'aller trouver le bus que le chef nous a parlé. En gros, c'était dans les années 1900, 80, un truc comme ça. Il y a un bus vers la route et en fait, il y avait un ravin à côté. Ouais. Il est tombé tout au fond. Et c'est genre vers le nord, on est vers là-bas. Genre là-bas le nord? Genre là-bas. C'est parti, on part en exploration. Ok, ça c'est un passage qui peut en faire douter plus d'un. Ouais, surtout moi. Ah, surtout moi. Chef, c'est vous le chef? Passez devant s'il vous plaît. J'ai un problème. Bon, la team, le chef se chie dessus. La team, on se retrouve tous les deux mecs, ok? Ils ont été explorés. Nous, la team, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, Nadim? Je te sens pas bien, je te sens pas track. Viens, on parle. Tu vois quand j'ai eu le mid-check? Quoi? Tu vois quand j'ai eu le mid-check? On a mis un mid-check? Ouais, 2000 checks. Bon, les mecs, première boîte, on a trouvé deux mixeurs. Ouais. Et bah ça, en fait, je voulais le ramener à maman. Et du coup, mais c'est pour ça que t'es pas bien? Non, mais si le sanglier me tue, comment je l'emmène à maman? Ah, c'est vrai. Comment la faire maman sans 1000 chèques? Tu veux rester en vie pour que maman ait des 1000 chèques? Ouais. Ok. Oh. Non, en fait, j'ai envie de rester en vie, comme ça tout le monde. Oh. Je peux pas expliquer, frère. T'es trop sensible. Ouais, je sens qu'il y a beaucoup d'émotions. Mais de toute façon, tu vas pas mourir. Les cris tout à l'heure venaient d'ici. Les cris venaient d'ici. Donc là, à partir de maintenant, je veux une posture agressive. Oh, la team. Viens. Il y a une patte. Oh, la team. Elle est fraîche. Il a vraiment raison. Elle est fraîche. Allez où? Regardez la team, la patte. C'est un ours. Elle est super en fonction. C'est un ours. Mais tu sais que mes frères, on regarde, on rigole pas gros. Regarde, il y en a une deuxième ici hein. Non, la team pour une fois on rigole pas là. Voilà. Ah, posture agressive. Vas-y. Oh, la team. C'est l'heure d'aller prendre un nouveau colis. Go, rentre. Bon, les mecs, on était en train d'installer le camp et j'ai remarqué quelque chose. On a perdu les clés de la voiture. Donc, Nadim, il va falloir qu'on retourne vers le camp où il y avait les halouf. Faut qu'on court. Ça va bien se passer, Nadim, ok? Ça va bien se passer. Aïe! Ça fait trop mal. Ouais, je me suis fait piquer. Si t'entends les oiseaux faire 8-8-8-8-8. Si les oiseaux ils font ça? C'est-à-dire, il a pas de danger. Ok. Et si ils font pas 8-8-8-8-8, ouais. Il a un danger. Ok, ça marche, c'est bon. Bon, j'espère que les oiseaux vont faire 8-8-8-8-8. Notre camp est de l'autre côté. Nadim, faut qu'on y aille. Faut qu'on se dépêche parce qu'on laisse notre camp là. Ça fait 7-7-7 là. Okay. Non, ça fait 8-8-8. Okay. Ouais, ça fait 8-8-8. C'est bon, ça fait 8-8. Ça fait 8-8-8. Ça fait encore 8-8-8. 8-8-8. Eh mais, ça fait 8-8-8. Vas-y, il y a un cochon. Non, c'est pas vrai. C'est le chien. Ok, 8-8-8. Normalement, ils sont dans ce coin là. Ils sont là. Wesh. Vas-y, go. Cours, Nadim. Cavale, Nadim. On a retrouvé les clés, mec. Cours quand même. Bon, la mission s'est bien passée, les mecs. On a rien foutu, mec. Bon la team, on est de retour au camp. Le chef il a eu un problème, il s'est transformé un peu en sanglier. Mais c'est quoi qu'il a là déjà? Ouais, c'est vrai qu'il ressemble un peu à un cochon. T'as trouvé quoi gros? Par terre, c'est par terre hein commandant. Oui. Non t'as un mytho. Non, moi j'ai fait un arbre. J'ai testé, j'ai vu. Timer a sonné, on va prendre un nouvel objet. Ça a sonné? Ouais, let's go. Vous avez fait n'importe quoi. On a trouvé des pâtes frère. Des vraies pâtes, ouais. Je pense que c'est des pâtes de renard. Ah, je fais des pâtes à manger. Rémi, tu peux y aller, vas-y, choisis. On a vraiment besoin de matos pour le camp parce que là ça. Aïe, j'ai une discussion. Choisis un truc, vas-y. Vous avez rien foutu? Je t'ai dit, vous avez oublié les clés quand vous avez ramené les trucs. Bon ça. Wesh.
Wesh. Ça, c'est un cerf-volant. Mais frère, ça va être une robe de mariage, ça. Oh, c'est des roses. C'est des fausses roses. Genre, on va les mettre un peu tout autour du corps, comme ça. Ah, c'est des repères. Et voilà, la team. C'est pas mal, c'est pas mal. Zizou, vas-y. Ok, c'est pas mal, Rémi. Des roses, ok. Carte cadeau Valorant, j'aimerais bien. Ok. Je sens bien. Ouais, le moteur. C'est un truc de café, non? Ah, c'est un truc. Il faut du café maintenant. Toujours respecter la nature. Tous les trucs là, on les. Vous allez, c'est un peu le bordel. Ça, je sens trop bien. Genre la forme. Aïe! Ça, ça souffle, ça! Enfin! Des toilettes? C'est quoi? En vrai, de vrai, si vous avez une idée de ça peut être quoi dans les commentaires, je suis partant là. Pour ça, ok. Wow, elle est trop belle la paire! Wow. Ça va parfaitement avec son chapeau. Wow. Ah, il va trop vite, hein. Can I get some burger? Zizou, tu peux remettre le chronomètre? À dans 30 minutes. Ok. Bon, les mecs, là, je suis avec Nadim. Nadim, va falloir qu'on déblaye tout ça. Ce soir, faut qu'on dorme tranquille, mec. On déblaye tout ça, Nadim, c'est parti. Pendant que eux préparent le camp là-bas derrière, nous, on essaie de trouver des informations sur le bus, sur Google Earth. Allez. On va essayer de trouver l'emplacement exact pour aller découvrir le bus. Écoute-moi, j'ai une idée. On va voler un colis, on va l'ouvrir et on va le garder que nous deux, ok? Mais c'est nul. Si c'est nul, on dit qu'on l'a trouvé dans le bus. Bon allez, nous on va aller dans la forêt. Courez avec vos chaussures, courez. Allez, vite dans la forêt, vite. Vous avez pris le plus voyant. On soit discret. Qu'est-ce que tu fais là-dedans? Arrête tout de suite. Qu'est-ce qui se passe, mec? Ce sera à nous et à personne d'autre. Ouverture du colis en cachette. What the fuck? Pas mal, capitaine. Adore moi, capitaine. C'est ma capitaine, ok? Sur agressif. Calmez-vous. Bad bitch. On va dire qu'on a trouvé ça dans la... Y'a pas de rivière. On va dire qu'on a trouvé ça dans la forêt. I'm not bad bitch. Cache. Faut cacher les preuves maintenant. Avez-vous trouvé des informations sur le bus? Bad bitch. Les gars, nous, tout à l'heure, on était partis là-bas quand on avait entendu le sanglier. Objectif de cette expédition, soit trouver le sanglier, soit trouver le bus. Je pense que là-bas, ça peut être une bonne idée. Hein. Je commence à avoir chaud avec ce corps. Non, vous devez le garder. Un vrai chef est une bad bitch. Oh. On descend. Nous, j'ai un peu peur. Après un travail acharné avec Nadim, on a bien dégagé l'espace. Regardez les mecs comment c'est clean. Nadim, c'est pas mal là. Ouais, maintenant, je crée un feu. Je sais comment créer un feu. Bah, tu vas pas le faire là si on va être ici. Ok, que voyez-vous? Oh là, chef, j'ai trouvé quelque chose. Faites plus ça, j'ai peur. Regardez. Oh! Je vous l'avais dit. Mais c'est des bouts de bus. Je vous l'avais dit. Regardez, il y a ça là. Regardez là-bas. Oh! Et y a voilà. Des pneus. Attends. Je l'avais dit. Mais c'est une carcasse de bus. Je sais pas si on voit quelque chose avec le soleil, gros. C'est clairement une carcasse de bus. Des pneus. Il nous faut le pneu. Il peut avoir des dingueries dessous. Un bruit bizarre. Hein? Est-ce que c'est pas une belle trouvaille ça? On a une première trouvaille. J'espère qu'ils sont fiers de nous. On ne rentrera pas de bredouille. J'espère que vous êtes fiers de nous, la team. Oui, mais on entend 8-8-8. C'est bon. On entend 8-8-8. Je crois qu'il y a un truc qui se rapproche. Quoi? Nadim, t'as peur de quoi là? Ah, c'est une souris. Ah, c'est une souris. Je vais faire un feu. Ok, vas-y, mec. Je fais là. Bon, les mecs, moi je dois réfléchir à un truc là parce que je sais pas comment faire l'autre camp là. Plus facile, ça serait d'accrocher un truc là qui va à cet arbre là, juste histoire de s'abriter. Croise les doigts pour qu'on puisse mettre un truc au sol. Comme ça, on est bien. Ça suffira. On va aller montrer les dernières trouvailles aux membres de l'équipe, voir ce qu'ils en pensent. Bon, les refs, j'étais en train de réfléchir à un truc parce que dans l'épisode 1, j'avais pris des petites rations de survie à Decathlon. Mais là, les refs, on a absolument rien. Donc en fait, on va manger quoi ce soir? C'est ça le truc, tu vois ou pas? Nadim, wesh, Nadim, tu fais quoi? Mais arrête. Nadim, t'es sur le camp, casse-toi. Je savais pas où trouver d'endroit, alors je pissais là. Genre là, regarde, là, t'as toute la forêt ici, là. Là, t'as tout ça, mais t'es venu pisser dans le camp. T'as pissé là? Non, en vrai. On va dormir là, Nadim, donc dis si t'as pissé, oui ou non, comme ça on change d'endroit. J'ai pas pissé. Sur la tête de maman? La tête de maman. Ok, vas-y, bah casse-toi. On a trouvé deux nouvelles trouvailles. Une veste bad bitch et on a trouvé un pneu, la team. Pour faire le feu. Oh, mais c'est là où écrit bad bitch. Bad bitch. Et le pneu, c'est la carcasse du bus. Il y avait plein de pneus. Il y en avait. Les pneus, ça aurait fait des sièges du camp. C'était dans un endroit bizarre, j'ai peur des serpents. Bah, ça nous fait un siège. Pas mal. On a eu chaud. Et Nadim, il a failli pisser dans le camp. Il a pas trouvé d'autre endroit pour biser, du coup, il a pissé au camp. Je l'ai rattrapé avant. Ah, on a encore eu de la chance. Bon, vous avez fait quoi, vous, là, depuis du coup? On a juste nettoyé le camp. En fait, on attend quelque chose avec les colis pour pouvoir construire. On peut rien faire, gros. On a juste nettoyé, il nous faut un truc pour mettre à plat. Comment c'est fatigué? Ah, la team? La team? Que vous entendez ça? C'est le moment. Il faut un truc pour le camp, sinon on est dans le caca, on va dormir dehors. Rémi, s'il te plaît, trouve-nous un truc, on en a besoin là. Le camp il ressemble à rien, il y a rien du tout. Oulala! Wesh! Bah c'est un tableau. Allez, ça. Rémi, s'il te plaît, trouve-nous un truc à mettre par terre. Vous êtes au courant qu'on va vraiment dormir dehors là? Pour l'instant, on a vraiment rien. Pas grave. C'est un trépied. S'il y a des trépieds de tente, c'est qu'il y a une tente pas loin. Oh non, c'est des sièges, non? Mais ouvre là! Mais gros, dépêche là! T'es en train de chasser toi! Dis-moi que c'est des tabourets. Des trucs que tu déplies là. Oh non, c'est pas du tout ça. Oh non, c'est une serpillière. Oh, ça aurait été incroyable. Deux sièges. Attrape. Ah, ça secoue. C'est des rations survie. La team, je crois que je vais vous sauver. Oh! Wesh!
Mais c'est quoi, gros? On va jouer. Oh, c'est des Pokéballs. Oh, wesh. Non, ils ont tous des petits Pokémon. Ah, lui, c'est. C'est Togepi. Non, c'est Torinor, un truc comme ouais, ça. Ouais, ouais. Oh, j'ai Smogo. Je suis Schmur. Smogo. Mais Smogo, il est pas violet. Les Mythos. Dingue, ça va pas trop nous servir, mais c'est super cool. Il y a un dilemme. En fait, il faut trouver un truc de tente, mais en même temps, t'as peur que ça tombe sur des habits. Tu fais quoi? Tu te sacrifies pour l'équipe ou t'as envie de trouver un petit truc qui fait plaisir? Ça, c'est une bonne vidéo qui montre l'amour de Pokémon. Non. Non, la cohésion. Est-ce que vous préférez profiter vous-même ou aider toute l'équipe? Wow. Pour maman, hop. Arrêtez de dire tout pour maman. Les filles, si ça intéresse. C'est du 43, wesh. Passe, wesh. Oh. Ou les mecs, y a des mecs qui mettent ça. On les banne de la chaîne. Toi, tu veux que je fasse un strike de YouTube? 43. Oh. Ok, Rémi filme. Ouvre les devant. Ah, bah voilà. Nadim, il a trouvé plein de porte-monnaie. Les mecs, on est toujours. On a toujours pas à manger. Les deux autres, ils ont rien ramené au camp, les refs, donc là c'est un peu la galère. Sauf une veste. Okay. Ils sont là-bas, je sais pas ce qu'ils sont en train de faire. Moi, depuis tout petit, je vis dans une poubelle. Depuis tout petit, je joue avec les rats. On va devoir s'y coller, ok? Oui, je suis afro-asiatique. Quoi? Afro-asiatique? Ouais, on va partir trouver à manger pour ce soir, sinon on est dans le caca. On trouve un sanglier, on fait griller un sanglier. Non mais t'es sérieux ou quoi toi? Comme ça ce soir, on est bien, on a de la viande. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Mais moi j'entends 888, c'est bon? Non, il y en a pas. C'est bizarre, il y a pas du 888. Cours. Non. Ça fait. Il y a pas de 888. Si, il y a du 888. Là, on a plutôt bien avancé sur les roses, regardez la team. On est un peu partout, voilà. Là, on se sent à l'aise un peu chez nous. Lui, là, en attendant, il va faire le sol. Et moi, je vais rajouter 2-3 roses. Bon, les mecs, là, on est en pleine exploration. Regardez-moi ces petits chemins sombres là. Attends, est-ce qu'on entend 888? C'est bon, on entend 888. Allez. Les mecs, Nadi m'a dit qu'il montait cette montée. Vas-y, Nadi, on te regarde tous. Tous les abonnés te regardent, ils t'encouragent tous. Nadi. Nice. Ok. Petit tapis, tranquille. Oh, là, regardez la team. Toutes les roses comme ça, c'est pas beau? Là, j'aimerais bien pour le sol, là, qu'on fasse un truc cosy. On peut ouvrir les colis. Il est encore bloqué. Nadim, je m'en vais. Salut, mec. Donc là, on ouvre 4 colis. Tu veux commencer? Je suis content, c'est que nous. Parce que quand t'as plein de colis, c'est trop bien. Les sols, j'aime pas trop. Ouais, pareil. Tu sais qu'ils sont racistes, hein. Là, il nous faut soit un truc pour le sol, soit un truc pour décorer. Là, j'aimerais bien décorer encore un petit peu. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une tente? Couverture? Attends, mais... Ça, on va pouvoir le mettre au-dessus, hein. Au-dessus de moi. Comment ça, au-dessus de toi? Je vais bien dormir. GG la team. Je vais bien dormir. Ça, c'est gros de fou, ça. Pour moi, ça va être une grosse couverture. Attention. Gros, c'est un truc Nike? Oh my god, là! Truc Nike? Mais c'est une doudoune! Gros, c'est une doudoune! Il n'y a pas d'étiquette à l'intérieur. Gros, je suis choqué. Pour l'instant, on a eu 2 trucs masterclass. Bon, les mecs, 10 minutes qu'on est là. Ok, déchire. Wesh. C'est des AirPods. Là, attends, il n'y a pas une boîte. Il n'y a pas deux boîtes. Il n'y a pas 3 boîtes. Quoi? Mais 3 boîtes. Mais gros, on va écouter de la musique toute la nuit, ça veut dire. Regardez les mecs, des AirPods. Tu sais qu'on a trouvé des dingueries là. Tu sais qu'ils vont être choqués hein, quand on va leur dire aux autres. On a vraiment eu 3 masterclass. On a eu une truc pour se cacher de la pluie, un manteau, Nike, et des boîtes d'AirPods, frère. C'est une dinguerie. Dernière. Oui, petit halouf. Yes. Libéré. Yes. Bien joué, mec. Wow, celui-là, il est costaud, gros. Ouais, vas-y, moi je prends celui-là. Couverture ou pareil, un gros manteau. Regarde, le manteau il est orange. Wesh. Oh, gros, c'est des vestes à l'américaine. Je mange du cochon. Parfallah. Ils disent pas ça les américains? Non, ils disent pas trop ça. American. C'est du L. American, man. Ok, attends, je fais l'instru. Non. Pourquoi t'as fait ça? Il est pareil. Bah, elle ouvre pas du coup. Bon, la team, c'était une bonne ouverture de colis là. J'ai bien aimé par contre. Il y a eu des bons trucs. Là, les autres vont bientôt arriver, frère. Ça fait 20 ans qu'on est ici là. On va essayer de mettre la nappe là. Vas-y, on se recapte après les teams. Il y a plus. Bon, les mecs, on a été explorer un peu avec Nadim là-bas. Ouais. T'as trouvé des dingueries? Mais non, mais frère, mais t'es débile. Mais Nadim, mais tu sais qu'on a un cerveau. T'as trouvé un paquet de chips? Ouais. Quand il était pas ouvert, genre. Ouais, bah oui. Ah, oh, bah tiens, oh, bah oui. Oui, bah oui, des compotes. Oh, des gâteaux aussi. Il y en avait 4 en plus. Ouais. C'est pas toi qui les as mis là? T'es venu, t'as marché comme ça, tu l'as trouvé là? Nous, on était trop concentrés pour partir là-bas. On est traversé, mais on n'a pas vu ça. On n'a pas vu ça. Mytho pas, hein? Mytho pas. Bon, les mecs, grâce à Nadim, on a trouvé quelque chose à manger. Nadim, juste que tu m'expliques, s'il te plaît. À quel moment tu les as pris? Je les ai trouvés, je te dis. Ok, vas-y, allez, c'est bon. On va commencer à essayer de mettre la bâche là qu'on a trouvé. Faut des endroits adéquats, mais ça, ce serait pas mieux d'utiliser comme sol. Là, il va pas pleuvoir, là, il fait beau. Est-ce qu'on le mettrait pas au sol? À votre avis, c'est quoi le meilleur? Est-ce qu'on met au sol ou est-ce qu'on met en guise de toit? Vous pouvez pas nous dire en direct? On regardera les commentaires après, parce que on est des mecs cool. Qui fait la nouvelle veste? Ah là, les gars. On est pas bien là, la team là. Après, le petit coucher de soleil qui arrive bientôt. Là, on a une petite vue là-bas sur la forêt de l'Est. Ah, ils arrivent, je crois. J'entends du bruit, j'entends des bruits. Ou alors, ne me dis pas que ce serait. Ce serait l'ours? Des sangliers? Tu parles trop là.
Ah ok, bah je vais me taire. Ouais, ferme là. Bon les mecs, de retour au camp. On a réussi à trouver à manger grâce à Nadim. Mais c'est quoi ce bordel là? Pourquoi il y a des roses partout comme ça là? Ça fait flipper, on dirait un truc de secte. Wesh, c'est quoi ce manteau? Vous faites quoi, bande de clochards là? Vous avez ouvert les prochains colis, il y a un manteau. Vous allez être choqués. Mais Zizou, si t'avais pas cette veste à l'heure. Tu as trouvé où la veste? Attends, t'es toujours aussi dégueulasse. T'as des lumières en plus là, tu les as sorties d'où ça? J'avais volé quand je suis venu au début. Nadim, il a trouvé à manger pour ce soir, hein. Il les a trouvés dans la forêt. Ouais, ouais, dans la forêt. 4 paquets de chips, des compotes et un paquet de gâteaux dans la forêt. Au bord d'un arbre. Vous avez déjà ouvert, bande de chiens? On a ouvert 4, ouais. Moi, Nadim, on ouvre. Nadim, on ouvre, on en prend 2, c'est bon. Petit room tour. C'est Nike. Non, mais non, c'est jamais Nike, ça c'est ça. C'est du Nike, les gars. Non mais t'as pas vu quelque chose de plus? Les roses. Si, ouais, si, on a vu les roses, mais ça fait flipper, votre truc s'est éclaté. Mais c'est la meilleure ouverture. On a eu des Headspots, oh, on en a eu 3. Ce soir, on va pouvoir dormir tranquille avec des... La dinguerie. Il y en a juste un, il va... Je vise personne. Non, on vise personne. Et c'est quoi le quatrième truc? Et le dernier, c'est le tapis là qu'on a trouvé. Ok, bah... ouais. Eh, mais dire qu'on va dormir là, gros, ça dégoûte sa grand-mère. Ok, Nadim, tu peux choisir ton truc. Bon, les mecs, on a dégagé une boîte. Il y en avait une qui faisait trop en fait. Comme ça, c'est un peu plus clair. Les gars, quoi? Les Simonies qui veulent ma veste. Non, personne n'avait, je pense. Personne n'avait. Ouais, bah non, c'est mort. Les gars, je vous la conseille. Nadim, t'as pris ça? Attends, je choisis mon truc. Je pense que là, faut viser les gros trucs. Bah ouais, on a pas le choix là. Let's go, je vais passer ma meilleure nuit, je commence à avoir froid, mon petit pote. C'est quoi qu'il a habité? Non, c'est un briquet. Les gars, il a un petit pot de fleurs. On s'en fout de ça, regarde. Wesh. Mais c'est quoi le truc dans les marmites? C'est un petit pot de fleurs, non? C'est pas un pot de fleurs, frère. Oh, attends, c'est un truc que tu mets dans le lavabo, non? Qui a un lien avec le briquet, frère. Mais c'est vraiment vrai en plus. La team, love, prof, peace. Wesh. En vrai de vrai? Bah, toi, tu dégoûtes, Nadim. Toi. Hein? Je suis dégoûté. T'es un ouf. Hey, mais toi, tu vas avoir froid, toi, t'es le seul en t-shirt. Regarde, nous, dans l'épisode 1, on avait essayé de faire un feu. On n'a pas réussi. Au lieu de prendre des gâteaux, t'aurais dû prendre un briquet, toi. Bah, là, du coup, on a eu un briquet. Il éclatait le briquet, hein. Mais casse-toi, frère, va pas le casser déjà. Ça se trouve, on pourra l'allumer que 5-6 fois. Elle est toute fraîche. Peut-être ça va être un cinquième paquet de chips que Nadim a trouvé. Ours, attention à vous, il est derrière vous. Non, attends, il est pas encore là. Ah, je crois que ça va être la cinquième là. Je pense on ouvre et après faut qu'on aille manger. Qu'est-ce que vous foutez, vous? C'est un shampoing, c'est Zizou qui l'a utilisé ça. Non. Si. Quoi? Non, c'est l'ours. Allez, je suis en train de trouver un truc pour le camp pendant que vous faites je sais pas quoi. Vous. Ça va nous protéger de rien du tout, ça. Ça, c'est en cas de pluie. Est-ce que t'as envie de recevoir des bestioles sur ta tête la nuit? Ah, GG. T'as raison. Ah, y'en a, il dort au-dessus. Ok. Hop là. C'est propre. Et voilà. C'est propre. Faut juste trouver un truc sur quoi dormir. Et bah ça tombe bien parce que ça avait sonné quand on était sur le chemin. Il nous faut un petit matelas, un petit tapis, un truc comme ça. Il est pas content. Oh, des petits pots, tu mets les petites roses dedans. Oh là. Oh le chien. Mais hey, c'est lui qui trouve un matelas. C'est que pour lui. Bah oui. Il y en a 2. C'est des habits. C'est la veste de Michael Jackson. Non, mais c'est un truc de cirque. Et tu sais que là par contre vraiment on vous croise là dans la forêt avec ça. Comment je tape ma plus grosse pointe photo. Sa mère. C'est un jean. Wow. Bah c'est bien, je t'en charge, je commence à avoir froid. On dirait un skin Fortnite. Moi en tout cas je sais que j'aurai pas froid, frère. Dites ce que vous voulez, moi je sais que je serai super rien. Il y a une étiquette de fou à l'intérieur. Chanel. Wesh. Oh. Wesh, Chanel, tu vois? Oh, attends, doucement. Carte d'authenticité. Et si j'allais pas nous croire. Regarde avec ses doigts noirs. But doré Chanel. La team, on est riche, on peut se tailler. On est blindés, let's go, on peut se casser, la journée est finie les mecs. Ah. Sois pas jaloux toi, Bad Bitch. Bad Bitch avec ses petites boucles dorées Chanel. Toi tu fais vraiment flipper toi. On dirait tu sais dans les poses Jojo bizarre là. Les mecs, là il est temps d'aller essayer d'allumer le feu. La team stop, je pense que c'est le jour de chance. Qu'est-ce qu'il y a vieux? Oh. 2-0. Non, 2. Eh ouais mon pote. Tu vois? Oh le chien. Tu vois? 2-0. Tu viens de trouver plus que nous en une journée de détecteur d'aimant. Voilà. Et comment tu dégoûtes toi? Plus je te vois, plus tu me dégoûtes, frère. Mais non, tourne. On arrête la vidéo là. Mais c'est quoi? Non mais calmez-vous bande de rats là. Bon les mecs, au passage, vous avez vu que là il y a un petit coin pour le feu, on va faire ça. Les mecs, si on voit que c'est dangereux, on arrête tout. Tu pisses vite dessus, Zizou. Zizou et Nadim, vous allez chercher des branches et moi je vous regarde. Vous avez déjà essayé des chips chamallow? Chips cramés, ça tue. Par contre la team, j'ai regardé ce que Nadim a trouvé. 22 quand même, je prends janvier. Pourquoi il a les mains noires? On fait pas du pourquoi il a les mains noires? J'ai charbonné. Il a dit j'ai charbonné. Venez, on allume le feu. Son sac Chanel, il veut pas lâcher. Lâche-le ton sac Chanel. Il dégoûte. Qu'est-ce qui t'arrive toi? Déjà on fait bien le cercle. Faites bien le cercle. Va enflammer. Pourquoi tu siffles toi? Il a plus rien. Aïe. Attends le briquet. Voilà. Le briquet. Pourquoi le briquet est dans le feu? Mais vous faites quoi, bande de chiens?
my god. Et là, le PC il fait. Il faut le mettre à la fin ça. Ouais, c'est ça. Ouais. La nuit commence à tomber, il faut être efficace là s'il vous plaît. Arrête. Après 3 heures d'effort que j'ai fourni tout seul, bande de gros chiens. Non, moi je t'ai aidé frère. T'as rien foutu toi. Vite, brûlez vos chips, brûlez vos chips. Ah là, c'est fini. Mais qu'est-ce qui. Mais pourquoi il met du charbon dessus lui? En vrai de vrai, soit on est vraiment débile, soit. Bad bitch. Passe le briquet. Le feu le plus rapide. Zizou le petit chamallow. Alors Zizou, dégustation. J'ai jamais mangé un truc aussi bon. Non. On va se régaler ce soir les mecs. Bon les mecs, je suis vraiment fatigué, ça y est là, mentalement. Là, il y a 3 fous devant moi. Je les laisse faire, ça y est, moi j'arrête. En plus, il commence à faire nuit les refs. Nadim, fais voir tes mains. Oh là là. Il est charbonné frère. Je pense les mecs, on est les seuls gars avec un briquet. On n'arrive pas à allumer un feu. Genre c'est chaud, non? Regarde l'autre, tu crois que c'est du parfum? On peut manger des chips au riz. Mais y'a pas de riz là. Et les bons votre feu les mecs. Nadim, pourquoi tu mets des chips dans le feu? Tu vas les récupérer comment? Mais. Estarfallah, la vidéo de feu. Zizou, fais gaffe, ton truc va brûler. Le feu il a bientôt plus là. Ouais, bah c'est bon, c'est la fin du feu, c'est déjà pas mal, il a duré 5 minutes. Oh le dessert! Ok, le dessert, le dessert. Grâce à Nadim! Alors, moi les gars. Grâce à Nadim qui l'a trouvé dans la forêt. En ce moment, je vois. Oh, mais j'avais. Oh là, petit réveil! Allez, c'est parti, l'heure de l'ouverture. L'autre, il a toujours pas lâché son sac Chanel là. C'est un sac, c'est un portefeuille. Oh! Oh, les, hey, les filles, vous allez être bien là! Petit Chanel avec ton petit. Là, c'est une vraie petite bad bitch. Ok. Hey, en attendant, tout ce qu'on a trouvé, y a rien qui sert pour le camp. Je vais pas juste vous alarmer, mais cette nuit, pour l'instant, on dort là-bas, là, juste sous une bâche. Oh, wesh. C'est un cargo. Oh, c'est un cargo. Papa, frère! Bah, la vérité qui passe bien. Bon, après, là, tu portes comme un clodo. Je pense que le très jaune, il veut dire que c'est. Ouais, un gros truc. Bon, et bah, les mecs, deux petits cargos un peu bizarres. Je sais pas ce que ça donne. Nadim, ça à toi, mec. Oh, il reprend un truc noir. Un petit. Oh, c'est un Marcel. Oh, il a eu un Marcel. Face à vie en Marcel, il a eu un Marcel. Ah oui, bonne. Même mes potes Clodo, ils s'habillent pas comme ça, gros. Là, c'est... Comment est-ce qu'il est? On dirait un catcheur. En vrai de vrai, dans tout ça, on a délaissé le camp un peu. Viens, faut qu'on trouve comment on va dormir, il commence à faire nuit. Est-ce qu'on ferait pas un round bonus? On a le droit de prendre encore un colis. Parce que là, il nous faut un truc pour le sol. Là, tout le monde, on a rien toujours. Vas-y, là c'est un round bonus. On doit prendre que des trucs gros, que des trucs avec. On est sûr, c'est des habits. Donc ça veut dire que là, si on a rien, on est mort. Bah là, si on a rien. Ok. Prenez des trucs bien gros. Oh, un petit paillette. Oh, il y a un truc de catch. Ouais, t'as un truc Fortnite avec toi. Tu viens de Satchi Spring. Wesh. Lui, déjà, c'est pas mal. Il pourra dormir. Ouais, avec ça, il pourra dormir. Fais-moi la chemise. Wow. C'est la tempête quand les dents. La chemise qui tourne. Attends, il y a trop d'infos là. J'ai eu un legging, j'ai le seul. Les refs, si jamais il y a des personnes que ça intéresse, on sait jamais. Vous nous dites dans les commentaires ou sur Instagram. Et sinon, le reste, on donnera association. Je vais vous sauver la team. Je vais vous sauver. Ah non, c'est un maillot de bain. Oh, maillot de bain. Je pense qu'il va se passer, c'est qu'on va dormir à la belle étoile. En vrai, de vrai, je vais pas vous mentir, moi je partais confiant. Je me suis dit, on va trouver un truc dedans. C'est sûr, mais oui. Attends, dedans, je dois pisser. On va vraiment passer la nuit comme ça là? Oui. On est pas bien là l'équipe? Sac Chanel! Faire ça, en vrai ça permet de plus être sur le téléphone. Faire les gars sérieux un peu. Ah c'est mon... Putain c'est chapeau. Dim il commence à avoir peur là. Il fait nuit, il y a des sangliers qui vont être de sortie parce qu'il faut qu'ils aillent manger la nuit. Il y a des chauves-souris la nuit qui s'attachent à tes cheveux. C'est vrai. Ça c'est vrai. Il y a des trocélopes. C'est super rare ça. Il y a des trocélopes. Non mais vous croyez? Non mais il y en a vraiment dans les forêts, j'en ai vu hein. Voilà Dim, des trocélopes. Arrête. Mais attends, en fait, il y a une nouvelle génération. Trop célèbre. En fait, il y en avait un, genre, en fait, c'était une espèce de mutation. Non, pas les trocélopes. Ça n'existe pas les trocélopes. Bon, les mecs, là actuellement il est minuit 03. Ok, il y a eu du changement. Il y a eu du changement. On s'est dit, après réflexion, les mecs, vu ce qu'on a trouvé dans les colis perdus, on s'est dit c'est mort. Nadim il peut pas passer la nuit avec nous. Ok, il est petit les gars, il a quand même 8 ans. Donc c'est tendu pour qu'il dorme avec nous, sachant qu'on allait pas beaucoup dormir. Ok, lui il est encore petit. On va quand même faire attention à sa santé et tout ça, qu'il soit pas trop déréglé. On l'a ramené à la maison. Donc là je me retrouve avec Undertaker. Et là du coup je suis avec Rémi qui est toujours là. Rémi il est au bout de sa vie. Rémi il aurait bien aimé aussi rester à la maison et dormir. Moi j'ai un peu forcé pour rentrer à la maison, j'assume, mais t'as pas voulu. Je vais pas vous mentir, je vais pas rester encore longtemps éveillé. Bon, j'ai envie d'aller me poser. On faisait les malins tout à l'heure à dire ouais, on va dormir dans la forêt, mais là tu filmes. Mais jamais frère, mais jamais. Genre là il fait noir, les refs. Bah, je pense que vous voyez absolument rien. Là c'est le feu où on était tout à l'heure, déjà il est bien éteint, ça c'est bon. Comparé à l'autre forêt où on était, c'est pire ici, c'est 100 fois pire. Je vais dormir sur la route, hein. Je vais m'allonger tout droit sur la route. C'est bien là. Les mecs, je pensais pas le faire dans ma vie, hein. Mais là on va clairement dormir à la belle étoile. Rémi il est là. Rémi, on va dormir à la belle étoile, gros. Je sais même pas ce qu'on est en train de faire, Youzizou. Je suis choqué, mais il fait pas froid, tu vois. Ouais, il fait pas froid. Mais c'est pour ça, frère, que j'attendais cette période pour tourner cette vidéo. Les gens ils me disaient, ouais, faudrait que tu la tournes, mais je savais que si on tournait en hiver, c'était mort. Ouais, alors que là. Je me chie dessus depuis tout à l'heure. Hein? Je me chie dessus, vite, on dort un peu plus.
pleurer. Mais c'est pire. Genre, il y a un halouf, il peut venir te manger les cheveux, normal. Donc, l'objectif, ça va être de dormir. Je sais même pas si c'est un objectif, gros. C'est n'importe quoi, là. Ah, moi, je suis fatigué, moi. Non, je vais vraiment dormir. Je vais juste essayer de fermer les yeux. Et après, vas-y, on verra bien. Vas-y, les gars, bonne nuit. 1 hour later. Bon, les refs. Actuellement, 1h04. J'ai réussi à tout petit peu à fermer les yeux. Je me suis fait réveiller par un moustique qui arrêtait pas de tourner autour de ma tête. En vrai de vrai, je pensais que ça allait être pire que ça les refs. Rémi, il est pas à côté de moi. À la base, il est à côté de moi. Zizou, ça bouge pas. Zizou. Zizou. Wesh, il abuse, lui. À la base, Rémi était là, le mec. Zizou. T'as vu Rémi ou pas? T'as vu Rémi ou pas, gros? Non. C'est bon. Tu viens avec moi le chercher ou pas? Non, vas-y. Ramène-moi, vraiment. Bon, bah, les mecs, à la recherche de Rémi. Oh, yeah. Seul bon point. C'est qu'il fait pas froid. Rémi! Rémi! Je vais aller voir à la voiture, il peut être que là-bas de toute façon. Ouais, forcément, il était là ce gros sac, c'était sûr qu'il était là. Oh, gros sac! Oh, frère, tu m'as fait flipper, sale chien! Ta grosse tête là! J'étais parti quand? Ouais, t'as réussi à dormir un peu ou pas? Ça va en vrai. Bah oui, ça va en vrai, frère, t'es défoncé, t'es en train de dormir, tu tapais ta meilleure nuit, sale chien. 1 hour later. Wesh, les mecs. Y'a plus personne. Il est 2h30 du mat, ces chiens, je sais pas où ils sont passés. Vas-y, on va essayer d'aller voir où ils sont. Y'a aucun bruit, je sais pas s'ils sont là où ils sont pas, je sais pas où ils sont. J'en étais sûr. Il a dormi avec la caméra dans les mains en plus. Police. Bande de chiens. Putain, ouf toi. Vous m'avez laissé là-bas comme un clochard. J'ai éteint la lumière. The next day. Bon, les frérots, il est 6h14. Le soleil s'est levé super tôt, je crois, à 5h30, un truc comme ça. Rémi. Oh, sale chien. Bon, les mecs, ce qui s'est passé, c'est que on a fait une construction dans la night, ok? Parce qu'il y a eu un éclair de génie. On s'est dit, avec le soleil, on va se faire tuer. Tout s'est bien passé jusqu'à ce qu'un gogol, il mette un truc transparent derrière dans le fond. T'as passé une bonne nuit, mec? Rémi, t'as bien dormi ou pas, mec? Bon, les mecs, clairement, on n'a pas dormi. Est-ce qu'on peut dire qu'on a validé la nuit en forêt cette fois ou toujours pas? Toujours pas, hein? Toujours pas, je pense. Mettez-moi dans les commentaires si on valide cette nuit. Si vous la validez pas, et ben il y aura un épisode 3 l'année prochaine. Bref, les refs, sur ce, nous on va rentrer, on va aller dormir, on va aller manger, on va aller revivre un peu, ok? N'hésitez pas à casser les petits pouces bleus. Il fait 8000 degrés dans la voiture. Abonnez-vous si c'est pas encore fait, et on se retrouve peut-être pour un épisode 3 l'année prochaine de 24 heures en forêt. Peut-être que le prochain on y arrivera. Allez, ciao.